Saviez-vous que les Zoya offrent de nombreux atouts au jardin? Vous allez voir que ces jarres à enterrer sont des systèmes très ingénieux pour l'arrosage des plantes. À travers ce sujet, nous allons explorer en profondeur comment les Zoya offrent des économies d'eau considérables, des rendements optimisés au potager et une gestion de l'entretien plus efficace pour les jardiniers. En plus, ces systèmes d'irrigation écologique joignent pratiques respectueuses de l'environnement et économies sur votre consommation d'eau au jardin. Découvrez comment ces pots d'argile poreuse changent la donne, alliant tradition et efficacité pour redéfinir l'avenir de l'horticulture. Les Zoya, une révolution dans l'irrigation des jardins. Arroser vos plantes est un élément crucial pour la croissance saine et florissante des végétaux, notamment en cas de forte chaleur. Cependant, les méthodes traditionnelles d'arrosage, comme les arrosages automatiques ou l'arrosage simple avec un arrosoir, peuvent être inefficaces, gaspillant souvent l'eau précieuse tout en ne fournissant pas toujours l'humidité nécessaire aux racines. C'est là qu'interviennent les Zoya, des dispositifs d'irrigation ancestraux qui offrent une solution d'actualité pour optimiser la culture des plantes. Les fondamentaux sur ces pots en céramique. Les Zoya, ces pots donc en argile poreuse, ont une histoire qui remonte à des siècles. Ils sont vieux de 4000 ans et ils sont originaires des régions arides, comme l'Iran. Ces pots ont été conçus en fait pour maintenir un apport d'eau régulier aux plantes, tout en minimisant les pertes dues à l'évaporation dans ces pays où il fait très chaud. Le principe de fonctionnement est simple, mais ingénieux. Les pots sont enterrés à côté des plantes et remplis d'eau. L'argile poreuse permet à l'eau de s'infiltrer lentement dans le sol, hydratant ainsi les racines de manière continue. Pour augmenter l'efficacité, il est bon de recouvrir l'oya et le pied de vos plantes avec du paillage végétal. Économie d'eau et durabilité de ces pots en terre cuite. L'un des avantages les plus marquants des Zoya est leur capacité à réaliser des économies d'eau significatives. Contrairement au système d'arrosage classique qui arrose toute la surface du sol, même les espaces non occupés par les racines, les Zoya, ils délivrent l'eau directement aux racines des plantes. La plante va en quelque sorte aspirer uniquement l'eau dont elle a besoin. Cela évite le gaspillage d'eau tout en assurant que chaque goutte soit utilisée de manière efficace. Sachez qu'un jeune arbre planté il y a moins d'un an doit absolument être arrosé régulièrement durant son premier été pour qu'il puisse s'enraciner et réussir à capter l'eau tout seul par la suite. Les premiers mois d'alimentation sont donc capitaux pour le bon développement futur de votre arbre. Dans un contexte où la préservation de l'eau est cruciale, les Zoya offrent une approche durable de l'arrosage. Frédéric, un jardinier habitué à utiliser des Zoya au jardin, nous dit que pour ces jeunes arbres qu'il a mis en place à l'automne avec en plus un paillage de BRF à la surface, il a utilisé les Zoya, des Zoya qui contenaient 10 litres. Il les a remplis 11 fois entre le 15 juin et le 15 septembre, soit environ une seule fois par semaine. Il a fait les calculs, 110 litres d'eau par arbre pour 3 mois de sécheresse. Normalement, sans Zoya, la recommandation d'arrosage par les professionnels aurait été de 20 litres par semaine par arbre, soit 240 litres pour un jeune plant. C'est-à-dire une consommation d'eau de plus du double. Alors sachez quand même que la fréquence de remplissage des Zoya varie suivant votre région et votre type de plante. Rendement accru au potager avec ses réserves d'eau. Voyons le rôle des Zoya dans l'optimisation des récoltes. L'efficacité de l'irrigation impacte directement la santé et la production des plantes en fruits et en légumes. Les Zoya, ils jouent un rôle crucial dans l'optimisation des rendements des cultures. Grâce à ce système d'arrosage précis, les racines reçoivent un approvisionnement constant en eau et en nutriments. Cela se traduit automatiquement par une croissance plus rapide et plus uniforme des plantes, ce qui se reflète dans des récoltes abondantes et de haute qualité. Avec ce système, fini l'arrosage en surface qui favorise uniquement la pousse des mauvaises herbes au potager. Créer un environnement idéal pour la croissance des plantes. Les Zoya favorisent la croissance saine en créant un environnement idéal pour les racines. L'hydratation donc constante évite les périodes de stress hydrique,
ce qui permet aux plantes de se concentrer sur le développement des feuilles, des fleurs et de leurs fruits. De plus, l'humidité régulée empêche le développement de maladies liées à un sol trop sec ou trop humide. Les plantes cultivées avec des zoyas ont moins de risques de souffrir de problèmes de croissance, qui se traduit par des rendements plus élevés et une meilleure qualité. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Économie de temps pour les jardiniers. Outre les avantages en termes d'économie d'eau ou de rendement, les zoyas offrent également une précieuse économie de temps pour les jardiniers. Les systèmes d'arrosage traditionnels nécessitent souvent une surveillance constante et des ajustements fréquents pour maintenir un équilibre adéquat. Avec les zoyas, cette contrainte est réduite au minimum. Les jardiniers peuvent vaquer à d'autres tâches tout en sachant que leurs plantes reçoivent l'humidité dont elles ont besoin de manière constante. Partez sans souci en vacances 2 semaines et laissez vos plantations en plein soleil avec les zoyas. C'est ce qu'a fait Frédéric, notre jardinier, pendant ses dernières vacances. L'été était très sec, mais il a pu, grâce aux zoyas, arroser ses kiwis, ses aciminiers, ses plaqueminiers, et c'est aussi ses nouveaux framboisiers et même ses myrtilliers, tout ça avec les zoyas. En réalité, la veille de partir, il a arrosé donc toutes ses plantes et rempli ses zoyas, puis il les a recouverts de paille. À son retour de vacances, il restait encore un peu d'eau dans les cuves et ses plantes étaient magnifiques. Un pas vers un jardinage écologique. En adoptant les zoyas, les jardiniers font un pas vers les pratiques plus respectueuses de l'environnement. La gestion précise de l'humidité réduit le gaspillage d'eau. Ça contribue à la préservation des ressources hydriques. En plus, les zoyas encouragent une croissance naturelle des plantes. Ça réduit ainsi les besoins d'engrais chimiques et de produits pour la lutte antiparasitaire. Ce choix écologique favorise un équilibre harmonieux entre la culture et la nature environnante. Utilisez des zoyas lors de la plantation ou pour le rempotage de vos plantes. Les zoyas en pratique au jardin. Alors, voyons comment choisir la bonne taille d'zoya. Les zoyas offrent donc une solution ingénieuse pour l'irrigation qui est aussi bien adaptée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour planter des zoyas dans des pots en intérieur ou en extérieur, choisissez parmi les tailles d'zoya suivantes: mini, S et M. S est une taille bien adaptée pour les jardinières aussi. M convient bien aux agrumes et L est parfait pour le potager et les arbustes. Et enfin, XL, c'est le plus adapté pour les arbres. Les zoyas connectables permettent un raccordement facile à un système d'irrigation. Les tailles varient pour des surfaces d'irrigation adaptées. S pour 30 cm, M pour 40 cm, L pour 80 cm et XL pour 1 m. Voyons quelques conseils d'entretien des zoyas. Alors, pour allonger la durée de vie des zoyas, je vous conseille notamment dans les régions froides, comme par exemple au nord-est de la France, de les vider, voire même de les déterrer et de les rentrer en hiver. Parce qu'en effet, s'ils gèlent en hiver, leur porosité alliée au gel risque fortement de les faire éclater malheureusement. Il est généralement assez facile de les retirer de terre sans dégâts. Alors, dans les autres régions moins froides, le paillage en surface du sol peut protéger vos zoyas à enterrer en hiver et conserve aussi l'humidité en été de vos plantations. Les couvercles, sachez qu'ils évitent aussi l'évaporation de l'eau et surtout les moustiques. Si votre eau est calcaire, nettoyez une fois par an vos zoyas avec du vinaigre blanc dilué. Peut-on fabriquer ses propres zoyas? Alors, les zoyas représentent un certain investissement. Il est donc tentant de vouloir fabriquer ses propres zoyas, d'autant plus que de nombreuses vidéos circulent sur Internet, vous en trouverez plein les réseaux sociaux. Mais je ne le recommande pas, car la porosité variera fortement entre deux pots, et cela constitue la caractéristique essentielle de l'zoya.
Un pot non poreux ne permettra pas d'alimenter vos plantes et inversement, un pot trop poreux se videra bien trop vite. Les Oya, alors Oya écrit avec un petit R de marque déposée, c'est une marque française. Ils ont été conçus en partenariat avec le CNRS et même Supagro. Après de nombreuses études, ils ont pu atteindre le degré de porosité optimal pour les plantes. Vous retrouverez d'ailleurs un large choix d'Oya sur le site officiel des créateurs d'Oya, dont je vous mets le lien en description. Une visite dans leur atelier dans l'Hérault ou dans les Vosges ou encore à Bruxelles en Belgique vous permettra de voir un plus large éventail de produits et d'économiser aussi sur le prix d'achat et de frais de port, environ moins 30% tout de même par rapport au prix de vente en jardinerie. Notamment aussi si vous souhaitez acheter des pots de 10 litres, les seuls qui ne sont pas vendus en ligne généralement. Sachez aussi qu'à partir de 8 pots, vous aurez 5% de remise supplémentaire. Les Oya ne se limitent pas à un simple outil d'arrosage, ils sont aussi une démarche de jardinage responsable. En privilégiant la préservation de l'eau, l'optimisation des récoltes et l'épanouissement des plantes. De génération en génération, les Oya ont prouvé leur valeur et aujourd'hui encore, ils tracent une voie prometteuse vers une culture durable. Votre voix compte. Partagez vos expériences et réflexions sur l'utilisation des Oya dans les commentaires. Et ensemble, continuons à faire croître ce dialogue verdoyant.